Ça marche. Euh, eh bien, bonjour à tous. Merci d'être présent pour euh, cette conférence sur le sujet du décret tertiaire. Euh, L'objectif de cette conférence est de revenir sur euh, l'accompagnement que Citron a mis en place avec euh, le groupe Vive, euh, ici représenté, représenté par Sylvain. Euh, tout premièrement, les intervenants. Donc, je suis Corentin Lefort, Energy Manager chez Citron depuis trois ans à présent et donc j'accompagne entre autres le, le groupe Vive et Vive 3 sur leur réponse réglementaire au décret tertiaire. Donc Sylvain le moi je suis directeur immobilier donc euh, pour pour Vive 3 on va revenir un peu plus en détail sur, sur ce que c'est après, je pense. Donc euh, effectivement le groupe Vive en, en deux mots parce que c'est pas trop l'objet de de la conférence, hein, c'est euh, le premier acteur mutualiste de santé et de protection sociale en France. Euh, c'est euh, voilà, quelques mutuelles euh, connues, Harmonie, euh, la MNT, la MGN. Et moi, j'interviens plus particulièrement pour pour Vive 3 euh, Je crois qu'on va le voir juste après, Corentin. Ouais. Donc, Vive 3 c'est très rapidement, hein, c'est euh, structure de, de soins et d'accompagnement, euh, autour de implanté dans 80 départements sur, sur toute la France et, euh, et on gère trois pôles d'activité, euh, un pôle produits et services, où on est euh, sur, sur différents secteurs, que sont l'optique, l'audition, le matériel médical, entre autres. Euh, un pôle plus dédié à l'accompagnement, euh, dédié aux personnes âgées, euh, à la petite enfance et au champ du handicap. Euh, et un pôle, un pôle soins, on retrouve euh, des cliniques, des SSR, des centres de santé, notamment, euh, dans, dans ce pôle d'activité. Ça représente 33 000 collaborateurs sur l'ensemble du, du territoire. Et... Euh, Petite précision, on est un opérateur donc privé mais non lucratif hein, et, et en l'occurrence le premier avec euh, toute la, la modestie qu'il faut avoir là-dessus. Euh, le groupe Vive, hein, c'est voilà, hein, je, je très, très rapidement, c'est encore pas l'objet, hein, c'est euh, 11 millions de personnes protégées au travers notamment de, de l'assurance et, et des mutuelles. Euh, c'est euh, 10 000 euh, élus. Euh, militants, voilà, on, est, on est sur ce mode de fonctionnement-là. Euh, et à l'échelle du groupe, c'est 45, euh, 45 000 collaborateurs. Je l'ai dit, mais euh, les, les 1700 établissements, c'est l'établissement de soins hein, donc, euh, qui sont répartis sur, sur toute la France, euh, de différentes natures. Petite implantation, petite, euh, voilà, implantation géographique. Alors tout, tous les départements ne se valent pas. Il hein, y, y a des territoires où on est euh, euh, beaucoup plus implanté historiquement, notamment sur, sur l'ouest de la France. Hein, de, de la, on va dire, Normandie, Bretagne, euh, Pays de Loire, et puis en euh, voilà, région centre, centre-Val-de-Loire, euh, mais également sur l'est, euh, le sud-est. Alors à présent, une rapide présentation de Citron également, pour ceux qui ne nous connaissent pas. Pour information, nous est au stand numéro 5, donc n'hésitez pas à venir nous voir par la suite. Citron, on est une prop tech qui digitalise le management de l'énergie de grands parcs immobiliers, tels que le parc de Vives qui vient de vous être présenté. Aujourd'hui, c'est à peu près 70 collaborateurs pour un chiffre d'affaires d'environ 7 millions. Donc, Citron propose deux solutions, deux accompagnements aujourd'hui. Un premier qui est lié euh, eh bien, à une plateforme de suivi énergétique, aussi bien de collecte de données énergétiques que de données IoT et Big Data. Son principe, c'est de collecter automatiquement l'ensemble des données inhérentes à l'énergie sur des grands parcs immobiliers. Et le second accompagnement, eh c'est tout simplement d'accompagner euh, nos clients avec des experts en transition énergétique, donc des ingénieurs spé spécialisés pardon, en efficacité énergétique, euh, dans différentes missions, telles que euh, la réponse à l'audit réglementaire, l'accompagnement au décret tertiaire, également on fait de l'AMOA sur euh, de l'achat d'énergie, euh, donc voilà différentes prestations intellectuelles qui sont euh, offertes en exploitant la plateforme de suivi énergétique. Alors vous êtes là pour parler du décret tertiaire et donc on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Tout d'abord on va parler des enjeux de vif 3 par rapport à ce décret. Merci Corentin. Euh, Peut-être ju juste un petit, petit digression avant de rentrer dans, dans les enjeux. Le, le, le fait qu se retrouve, hein, que je me retrouve aujourd'hui à, à côté de Corentin et, et avec toute l'équipe Citron, hein, euh, ça fait suite à une stratégie qu'on a, qu a posée en amont, c'est de se faire accompagner... Euh, euh, on a AMO sur, sur le sujet, euh, parce qu'on n'avait pas les expertises en interne, on n'avait pas non plus les outils et non plus la culture. Donc on a fait le choix de se faire accompagner euh, sur une AMO. C'est tout un processus euh, d'appel d'offres, hein, euh, qui est pas public, qui est privé, mais euh, voilà, Citron n'est pas arrivé là par hasard. Il a rempli toutes les cases du critère, en tout cas jusqu'à présent c'est le cas, et j'espère que ça sera encore très longtemps. Donc les, les enjeux, en fait, euh, alors c'est vrai qu'on dit projet décret tertiaire, mais en fait on, on l'a renommé euh, avec, euh, avec les collègues donc, du développement durable, hein. c'est un projet qui est, qui est aujourd'hui sponsorisé par, par la direction du développement durable et qu'on compilote euh, entre le développement durable et, et l'immobilier. Ce n'est pas un projet immobilier parce que la finalité, elle est, elle est, elle est avant tout environnementale, hein. sur l'efficacité, elle est aussi économique, hein. ça c'est une évidence. Et, euh, et on a renommé ce projet-là, alors euh, c'est vrai que ça paraît dans la slide des tertiaire, mais en fait on l'a renommé efficacité énergétique et décarbonation. Et ça, ça a un sens, c'est en fait de faire de, de, plutôt d'une contrainte réglementaire, en tout cas vécue comme une contrainte réglementaire à la base, d'en faire une opportunité et qui répond aux enjeux stratégiques de notre groupe, et notamment sur l'empreinte environnementale, hein, qui, est, qui est un enjeu majeur de, de la stratégie de de vivre, et, euh, et donc le, au travers de l'accompagnement de, de, de citron et du, et du projet donc euh, décret tertiaire et de effectivement remplir, euh, remplir cette ambition là. on a fait il euh, y, a, y a deux enjeux. en fait on, on a décliné aussi en deux étapes. Hein, euh, le premier enjeu c'est effectivement d'avoir une stratégie énergétique euh, euh, nationale, un groupe euh, parce on, on fait l'air pas mal de, 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 de on va dire d'union qu'on appelle ça chez nous hein, mais d'entreprises de, de, qui ont qui ont aussi leur, leur propre gouvernance, mais euh, qui sont rattachés. Donc il y, a, il y a vraiment une approche collective, donc à emmener tout un groupe de projets là-dessus, avoir une ambition et, euh, et un plan stratégique, clairement. Et, euh, et le, deuxième, le deuxième enjeu, hein, c'est euh, l'enjeu un peu de, de répondre aux obligations réglementaires, et, et notamment, euh, on va dire, euh, qui était au début une obligation du 30 septembre 2021, mais qui a été déclinée finalement au 30 septembre 2022, euh, euh, normalement jusqu'à présent, en tout cas. Oui, alors ça, pour le coup, c'est verrouillé. C'est bien au 30 septembre 2022 qu'il y a les premières déclarations à faire. Donc, c'est une petite parenthèse, mais, euh, mais il faut s'organiser pour le plus rapidement possible. Ah, je viens ouais, de ouais, Peut-être juste euh, avant la salle d'avance, parce que c'est vraiment le, le, le sens de l'accompagnement. Hein, L'idée, c'est. Euh, de, de faire appel à un AMO global au niveau, au niveau de la structure nationale, c'est aussi de pouvoir outiller, ou d'acculturer euh, l'ensemble de nos parties prenantes, hein, qui sont des gens de, voilà, de, du développement durable, qui sont des gens de, qui dans la conduction de projets, mais, mais aussi demain dans les établissements, parce que ça, on a, on a un volet que enfin, Quentin reviendra un peu dessus. Donc c'est d'accompagner vraiment toutes les équipes hein, en fonction de leur implication dans, dans ce projet-là. Euh, et, euh, et de nous outiller euh, je pense que Corentin en dira un mot donc ça c'est l'étape numéro vraiment l'étape numéro 1 qu'on s'est donné jusqu'à jusqu 2022 et puis l'étape 2 euh, elle va être de, de 2022 en 2050 c'est euh, effectivement donc de, de, de clarifier les enjeux euh, de, de réduction de, de nos consommations énergétiques et les moyens d'y arriver et aussi pouvoir calibrer les enjeux financiers qu'on a derrière et d'inscrire ça dans un plan stratégique à à 30 ans, parce que pour le moment la réglementation nous amène à 30 ans. Et une fois que ça, ça sera fait, euh, notre, notre deuxième étape, c'est effectivement la mise en œuvre. Et ça, c'est un enjeu. On regardera ça l'année prochaine, je pense. Apparemment, elle ne veut pas rester. Ouais. Euh, quelques chiffres projets. Euh, donc... Comme on vous l'expliquait, aujourd'hui, le groupe Vive, en tout cas Vive 3, c'est 1700 établissements. Dont concernés par le décret tertiaire, aujourd'hui, il y en a 280 qui sont identifiés. On est encore en train d'identifier les derniers qui passent entre les mailles aujourd'hui. Ça concerne par exemple des sites pour lesquels ils sont locataires. Et en tant que locataires, parfois, ils ont une surface de 800 m et ils ne savent pas s'il y a d'autres activités tertiaires au sein du site. Et donc, ça, c'est des problématiques que l'on peut observer. Sur des grands parcs immobiliers, des, des problématiques qui ne peuvent être résolues qu'à l'aide du bailleur. Et donc, derrière, il y a tout un échange également à avoir avec l'ensemble des bailleurs et une démarche à mettre en place pour savoir comment identifier ces sites et bien déclarer l'ensemble de son patrimoine concerné par le décret tertiaire. Donc, voilà, aujourd'hui, on, on accompagne euh, 280 sites on va sûrement finir aux alentours de 350 euh, sur le périmètre euh, VIV3. En parallèle, on accompagne aussi le livre 2 de VIVE, donc euh, Harmonie Mutuelle et, et MNT. Euh, donc, in fine, on, on tournera autour des 450 sites, je pense, pour le groupe VIVE, euh, concerné par le décret tertiaire pour lesquels on a cette échéance du 30 septembre qui se rapproche. Et on le verra également, nous n'accompagnons pas uniquement sur cette partie déclarative et identification du parc, mais également sur la partie stratégie. Hein, quelle stratégie d'efficacité énergétique doit-on mettre en place pour répondre au décret tertiaire sur un parc immobilier complexe? Avec des sites en propriété, des sites en mono-occupation, multi-occupation, etc. Peut-être juste un complément. La particularité, c'est qu'on a vraiment tout type d'activité. Donc, on a euh, voilà, des, des, des commerces, on peut les commerces de santé, hein, RP 5e catégorie. On a de l'hébergement permanent dans les EHPAD. On a du, du médical avec euh, notamment des, des cliniques. On a des, des sites qui se rapprochent, entre guillemets, de, de l'industriel avec des, des établissements pour les personnes. Euh, euh, en situation de handicap, hein, ce qu'on appelle les, les, les esat, par exemple. Donc, il y a vraiment un florilège, plus un peu de tertiaire. Donc, il y a, il y a énormément de catégories, et c'est aussi une des difficultés, on, on va dire, de, 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 enfin, quoi, sur lequel Citron nous, nous accompagne. Alors, le décret tertiaire, l'idée c'est d'en parler très rapidement pour bien le recontextualiser et expliquer la suite à l'ensemble. Le décret tertiaire, tout simplement, eh c'est une nouvelle réglementation qui vient soumettre tous les bâtiments tertiaires de plus de 1000 m à réduire ses consommations, donc soit de 40% d'ici 2030, soit selon un objectif en valeur absolue. Et cet objectif correspond à un bâtiment récent de leur catégorie d'activité. On ne demandera bien évidemment pas euh, les mêmes objectifs à une clinique ou euh, un EHPAD, donc des établissements qui sont occupés H24, avec un espace de vente euh, qui, lui, n'est ouvert que quelques heures par jour. Et donc, la seconde réglementation, comme on l'expliquait, c'est cette fameuse échéance au 30 septembre, euh, 30 septembre 2022, qui est une obligation de suivi et de déclaration. Et donc, au 30 septembre 2022, il faut déclarer ses consommations sur une plateforme de l'État, donc euh, la plateforme Opera qui est opérationnel aujourd'hui, pour justifier des consommations et, in fine, en 2030, démontrer que l'on a atteint les objectifs déterminés par ces deux objectifs en valeur relative et en valeur absolue. Donc, simple parenthèse par rapport à ce qu'est un bâtiment tertiaire, on peut en retrouver plusieurs sortes, je l'expliquais déjà auparavant, mais un bâtiment où vous êtes plusieurs locataires. Si l'ensemble de la surface tertiaire de ce locataire est supérieur à 1000 m l'ensemble du bâtiment est soumis et tous les locataires devront déclarer leur consommation. Alors euh, ces étapes, je vais passer assez rapidement dessus car on a une demi-heure et il y a pas mal de sujets à aborder. Mais c'est pour vous réexpliquer euh, assez rapidement comment est-ce que l'on a réfléchi le projet d'accompagnement pour VIS3. Euh, il faut savoir qu'on les accompagne sur différents lots, comme j'expliquais. D'une part, l'identification du parc assujetti, c'est ce que l'on appelle la définition du périmètre et porteur de projet. Donc, ça concerne la formation des parties prenantes en interne chez Vive. Vous l'avez vu, il y a plusieurs entités. Aujourd'hui, on a entre 20 et 40 interlocuteurs qui euh, s'occupent de ce projet-là euh, euh, chez Vive. Donc ça peut être des responsables l'immobilier, ça peut être euh, des, des responsables techniques, ça peut être différentes personnes qui vont être amenées à travailler sur ce projet. Et tout naturellement, comme toute nouvelle réglementation, il est nécessaire de les former, de leur expliquer les enjeux qu'ils soient environnementaux, juridiques également, et techniques, euh, et digitaux. Car euh, on parle de déclaration de consommation. Et sur un parc complexe, collecter l'ensemble des données énergétiques, ça peut être complexe également l'idée, c'est d'accompagner un maximum ces parties prenantes sur la compréhension des enjeux pour pouvoir répondre à cette réglementation. Donc pour cela, on a déployé un système de suivi des consommations énergétiques, donc la plateforme Citron, qui permet, comme je l'expliquais, de collecter automatiquement l'ensemble des données énergétiques des sites assujettis. Euh, je ne vais pas en détailler un peu, je ne vais pas plus détailler quand on est parlé en amont. Et donc, à la suite de ça, eh bien, il y a plusieurs missions qui ont été lancées. Euh, il y a une mission, par exemple, on le reviendra en retour d'expérience d'AMO au choix de prestataires pour réaliser des audits énergétiques. Car l'ambition finale, comme l'expliquait Sylvain, c'est de réaliser un schéma directeur énergie pour les 30 prochaines années. Et donc, pour cela, on a besoin d'avoir des préconisations, de la liste des actions qui peuvent être menées par rapport à différentes catégories de sites, différentes catégories d'activités, et de pouvoir mutualiser l'ensemble de ces résultats et, par extrapolation, les appliquer à l'ensemble du parc immobilier de Vives. Et pourquoi pas, non pas qu'uniquement les sites soumis au décret tertiaire, mais pouvoir les dupliquer, car il y aura des actions qui vont être simples à mettre en place, qui vont être identifiées, euh, qui ne seront pas coûteuses et qui permettra, encore une fois, de réduire l'impact environnemental euh, du groupe Vive. Et c'est l'un des enjeux principaux, principaux euh, de ce projet. En parallèle, on doit également choisir une année de consommation de référence. Donc on parlait d'objectifs de 40% de réduction de consommation. Eh bien ces 40%, à partir de quand doit-on les réaliser Donc ça, on le sait, c'est à partir dès que de, de, de possible. Mais il faut qu'on ait une année de référence à partir de laquelle on se base pour calculer ces objectifs. Donc, cette année de référence peut être calculée entre 2010 et 2019. L'idée, c'est de pouvoir valoriser les économies qui ont déjà eu lieu grâce à des actions qui ont été mises en place ces dernières années. Par exemple, un, un bâtiment qui a été totalement rénové énergétiquement en 2015. Si on peut récupérer les consommations énergétiques de 2014, eh bien on le fait comme ça. Eh bien on a déjà réduit de 20% les consommations et donc répondu à, à moitié de l'objectif de 2030. En 2022, eh bien, nous allons continuer sur le suivi des consommations énergétiques et également ce sera la première échéance de reporting réglementaire annuel sur la plateforme Opéra pour ça eh bien, bien évidemment il va falloir se créer un compte créer ses établissements créer ses entités euh, fonctionnelles assujetties il y a tout un travail en fait à réaliser pour bien identifier quelles sont chacune des structures qui va être assujetties quels sont les établissements et pouvoir créer tout ça sur le patron opéra pour par la suite pouvoir automatiser euh, cette, euh, cette déclaration et en parallèle eh bien comme je l'ai réaliser des audits énergétiques afin d'étudier l'ensemble des actions d'amélioration de performance énergétique qui pourraient être mises en place sur le parc assujetti ou non. Ouais. Et grâce à ces audits, et bien définir un schéma directeur énergétique global, donc pouvoir définir quels sont les objectifs pour chacun des sites, savoir quelle est la réduction à réaliser par site à la maille d'une entité, mais également à la maille de Vive3 et du groupe Vive, pour réfléchir à quelle est la meilleure stratégie à adopter. Pour répondre à ces réductions de consommation. Peut-être qu'on est en train de juste dire sur le, la partie 4, sur les suivis des consommations énergétiques. La, la, la plateforme, elle a, elle a ses doubles intérêts. Il y a effectivement de répondre aux obligations et de faciliter le transfert vers la plateforme opérate. Mais on avait aussi un vrai besoin, et on souffre aujourd'hui, de pouvoir suivre nos consommations, même en dehors du simple décret tertiaire, hein, sur les, les 1700 établissements qu'on qu qu peut gérer. La facture énergétique, elle est, elle est lourde, euh, clairement. Euh, et aujourd'hui, on ne la pilotait pas. Et quand on voit le, les évolutions des coûts d'énergie, c'est indispensable qu'on voilà, qu qu exploite cette data-là. Et, et en fait, euh, voilà, Citron va, va nous l'aider. Euh, dans une première phase, sur les bâtiments assujettis. Euh, et, et on l'espère dans une deuxième phase, sur la totalité de notre patrimoine. En effet, l'objectif de ce suivi, ce n'est pas uniquement dans le cas du décret tertiaire, c'est pouvoir avoir une vision globale, euh, pouvoir accéder aux factures facilement, pouvoir accéder aux courbes de charge également, euh, pouvoir savoir s'il y a des dépassements qui ont été réalisés, faire des optimisations contractuelles également. Donc il y a toute une panoplie de choses qu'il est possible de faire, euh, comparer les sites par rapport à des indicateurs de performance énergétique euh, déterminants pour euh, l'ensemble de, des sites euh, que l'on suit. L'avantage aussi, c'est qu'on enfin, va pouvoir piloter tous les types d'énergie euh, qui est aujourd'hui dans les plateformes des, des, voilà, des gros opérateurs fournisseurs d'énergie. On n'a qu'un qu type d'énergie ou deux dans certains cas, mais pas la totalité. Là, on aura l'avantage d'avoir euh, l'exhaustivité, effectivement, de nos sources d'énergie. Exactement. Et donc demain, euh, Sylvain, vous l'expliquiez auparavant, euh, l'idée, c'est dans les années à venir, pouvoir déployer les actions euh, d'économie d'énergie Pouvoir essayer de mutualiser également les investissements nécessaires, hein, pouvoir euh, réfléchir à comment optimiser tous ces coûts, réfléchir aux aides financières disponibles et non pas que les plus connues, mais aller chercher pour chacun des sites, chacune des, euh, chacun des départements, chacune des régions les aides qui existent pour, euh, pour diminuer l'investissement nécessaire. Alors je ne sais pas si je pourrais passer à la slide d'après. <laughs> Appuyez ah. sur le bouton. Ah oui. <laughs> euh, alors, très rapidement, alors je ne sais pas du tout combien de temps il nous reste. Euh, 10 minutes, ok, bon on va aller assez vite alors. Euh, je vais vous parler tout à l'heure d'années de référence. Et ici, c'est l'application de, de ce calcul. Donc on est sur un site pour lequel on a des consommations depuis euh, début 2018. Et on a calculé donc cette fameuse année de référence, l'année la plus consommatrice vis-à-vis -vis de la rigueur climatique, entre janvier 2018 et, euh, et aujourd'hui. Et on a observé que cette consommation de référence correspondait à 151 kWh par mètre carré, et par rapport à la dernière année de déclaration qui, qui va être réalisée sur Opera, où on est à 147,4 kWh par mètre carré. Eh bien, il y a déjà des réductions qui ont été faites. et donc L'objectif, c'est que pour l'ensemble des sites hein, du groupe VIV, eh on puisse réaliser cette, euh, cette étude afin de déterminer avec précision quels sont les objectifs à atteindre et quelle est la réduction à réaliser par site, par entité et à la, à la maille du groupe. Donc, une fois que l'on a calculé cette consommation de référence, on va pouvoir calculer les objectifs de réduction, comme expliqué, d'une part en valeur absolue. Donc, qui est déterminé euh, par des tableaux qui sont communiqués euh, dans les différents arrêtés et qu'on appelle les arrêtés de valeur absolue. donc, normalement, le deuxième arrêté devait sortir au mois de février. on l'attend. il euh, y a un engagement sur début avril. donc, pour ceux qui l'attendent, il faut prendre son mal en patience d'ici deux semaines. on peut imaginer qu'il qu sera publié et donc, il y aura un troisième arrêté euh, sur le début du second semestre 2022. Et donc le second arrêté qui est plus facile à calculer, hein, c'est 40% de réduction d'ici 2030, on voit qu'on doit atteindre 90,7 kWh par mètre carré par an. Et donc grâce à ça, si on prend tous ces chiffres et qu'on qu joue avec, eh bien, on observe qu'il reste 27,4% d'économies à réaliser pour ce site-là, ce qui correspond à 38 000 kWh par à réaliser par ce site. Et donc, derrière, l'idée, c'est de pouvoir mutualiser les résultats également. Un site qui est déjà très performant, pour lequel les actions, euh, les dernières actions pour aller gratter les derniers pourcents, eh bien, euh, vont être très chères. Pouvoir réaliser des économies plus importantes sur d'autres sites qui seraient moins performants pour pouvoir, euh, eh bien, mutualiser l'ensemble des résultats. Et donc, en atteignant cette performance, eh bien, ce site-là aura répondu à son obligation du décret tertiaire. On peut passer rapidement. Enfin voilà, on, juste pour, pour communiquer en interne, on a des, à des supports de communication hein, qui, qui, voilà, qui présentent un peu. Euh, là, c'était le point numéro un avec la présentation de citron d'ailleurs à, à l'ensemble des, des collaborateurs qui expliquent la démarche. Et voilà, l'idée c'est de communiquer régulièrement pour que chacun s'imprègne du sujet, euh, mais surtout de l'action qu'il aura menée, parce qu'il y a quand même tout un tas d'actions qui coûtent pas grand-chose sur les comportements et on a aussi dans le cahier des charges qui avait été posé à Citron de, de travailler aussi sur justement d'accompagner cette, cette acculturation et cette sensibilisation en tout cas au travers de supports sur l'ensemble de, de, de nos activités de nos établissements. Oui, et simplement on le voit, le décret tertiaire par rapport au projet du groupe Vive, et eh bien c'est une partie de, de ce projet qui est bien plus global, comme l'expliquait Sylvain. On souhaite finir par quelques premiers retours d'expérience. Euh, donc le tout premier, c'est un projet C2E. L'objectif souhaité, c'était de pouvoir mettre en place des actions très rapidement avec un minimum d'investissement. Et c'est ce qu'on a réalisé sur une première vague et là on est en train de clôturer la deuxième, où on identifie les sites pour lesquels des actions d'économie d'énergie autofinancées par les C2E peuvent être mises en place. Cette première vague, on avait identifié 15 sites prioritaires à visiter. Et le bilan de ces 15 sites, c'est 112 000 euros de travaux qui sont financés à 88%. Donc, autrement, on parle de 90 000 euros de travaux euh, financés à 98% par les C2E, donc avec très peu de reste à charge. Pour information, on est en train de clôturer euh, la vague 2. En tout cas, on l'a lancée. On commence à voir les premiers résultats. Sur cette vague 2, on a 8 sites pour lesquels des visites ont été réalisées et des devis de ces 2 e ont été édités. Sur ces 8 sites, ça représente 120 000 euros de ces 2 e de travaux autofinancés. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, sur 23 sites, sur l'ensemble des sites du groupe Vive, donc on voit qu'on a une marge de progression très importante, eh bien on, on atteint à peu près les 250 000 euros de travaux autofinancés ou quasi autofinancés. Et donc c'était un, vraiment un coup de, de poing que l'on a voulu réaliser au début de ce projet pour démontrer que des actions pouvaient être mises en place, même de manière assez simple et très peu coûteuse, et donc par la suite, avec la réalisation des audits qui vont avoir lieu, eh bien, compléter ces actions qui ont été mises en place avec de nouvelles actions. un des objectifs, c'était aussi rassurer nos dirigeants en disant que, effectivement, c'est beaucoup de coûts à venir, beaucoup d'investissements, mais il y a, voilà, il y a quelques moyens pour aller chercher des financements à droite. donc, c'est aussi un vecteur de, de communication, un support de communication vers, vers tous ces gens là. non euh, le deuxième retour d'expérience euh, ça concerne la collecte de la donnée on vous l'a expliqué les données à collecter c'est pas simplement les données énergétiques même si c'est une part importante car c'est celle ci que l'on doit déclarer tous les ans pendant euh, 30 ans mais on parle également de collecte inhérente au bâtiment euh, aussi, euh, aussi bien les surfaces tertiaires aussi bien les numéros de ce qui va s'en occuper de de, ces, euh, de, de cette collecte. Et donc, cette collecte de données, elle a été initiée maintenant il y a euh, plus de six mois, euh, et on est euh, encore dedans, on est sur la fin, euh, mais il y a encore des données qu'il est nécessaire de collecter, aussi bien euh, pour soi-même, en tant que locataire ou occupant du site, mais également auprès de son bailleur. Par exemple, lors de la déclaration opérate, si vous êtes locataire, vous devez renseigner le numéro de siret de votre bailleur. Ça peut paraître bête, mais lorsque l'on gère euh, 400 sites, et eh bien tout de suite, ça peut être un travail très chronophage, très complexe, et bien naturellement, il faut essayer d'encadrer tout ça quand on est une organisation aussi bien portée par une seule personne, mais qu'il y a 400 données à collecter, ou bien avec 25 ou 30 personnes qui doivent collecter la donnée auprès de plusieurs dizaines, voire centaines d'interlocuteurs différents. De la même manière, tout le monde n'est pas aussi à jour sur le sujet du décret tertiaire. Certains bailleurs ne sont pas au courant, forcément, de cette, de cette nouvelle réglementation. Et donc, il y a différentes manières d'aller chercher cette information et de se protéger également, car dans certains cas, il est possible que vous ne puissiez pas réaliser l'ensemble des déclarations pour votre, pour votre site assujetti. Donc, les différentes solutions qui sont proposées, tout d'abord, c'est une présentation aux parties prenantes de l'ensemble des données à collecter pour cette déclaration. La seconde, c'est un workflow de mail et de webinars. Donc Citron réalise des webinaires depuis maintenant plus de deux ans sur le sujet du décret tertiaire. On en a fait un la semaine, la semaine dernière justement sur le sujet de la collecte de la donnée pour justement sensibiliser un maximum. Et derrière, c'est ouvert, on peut y convier les différents bailleurs. Parfois, simplement, euh, avoir le, la vue d'une personne externe euh, à ses locataires permet d'avoir euh, justement l'ensemble des informations nécessaires pour se dire d'accord, j'y vais, d'accord, je n'y vais pas. Le troisième point, c'est un argumentaire téléphonique, donc c'est euh, un listing de l'ensemble des, des données qui doivent être collectées euh, pour, euh, pour échanger avec le bailleur. Et le point dont parlait Sylvain au tout début de cette, euh, de, de cette conférence, c'est la création d'outils pour simplifier les démarches des responsables d'entité dans la collecte comme vous l'expliquez beaucoup de données à collecter beaucoup de données qui peuvent être connues par différentes personnes au sein d'un même bâtiment et donc l'idée c'est de pouvoir créer des outils euh, les rendre faciles d'utilisation pour l'ensemble des, euh, des, des personnes concernées par le décret tertiaire pour d'ailleurs pouvoir consolider ces données euh, les concaténer vérifier qu'on ait bien l'ensemble des données pour l'ensemble du parc immobilier euh, de chacune des entités du groupe et bien évidemment, ces données sont nécessaires à la réglementation, à la réponse à la réglementation. Et par conséquent, c'est toujours bien d'avoir un œil euh, aussi bien micro que macro sur un parc complexe pour collecter euh, les centaines de données nécessaires. Il reste cinq minutes. Eh bien, ça va nous quatre minutes. On aura deux retours d'expérience complémentaires à vous proposer. Et par la suite, eh bien je vous propose euh, un léger euh, échange questions réponses et autrement. Comme je l'ai expliqué en amont, on pourra se retrouver devant le stand numéro 5 euh, où euh, nous serons présents, mais également d'autres personnes de chez Citron pour pouvoir répondre à l'ensemble. Le troisième retour d'expérience que l'on voulait vous proposer, eh c'est vous faire part de la complexité de la réglementation, euh, aussi bien d'un point de vue euh, technique que juridique. D'un point de vue juridique, il est nécessaire de bien identifier les sites qui vont être, euh, qui vont être euh, assujettis et les données à collecter. Et d'un point de vue technique, d'une part, de par la réduction des consommations énergétiques, quelqu'un qui n'est pas formé à l'efficacité énergétique ne peut pas savoir l'ensemble des actions qui vont être mises en place. Mais également, par exemple, le, le calcul des objectifs du décret tertiaire, c'est ce qu'on a indiqué à gauche. Ça, c'est le tableau d'une activité, d'une sous-catégorie d'activité même, pour définir les objectifs du décret tertiaire à atteindre. Donc, comment on va le lire très facilement Eh bien. Par exemple, ici, on est sur une sous-catégorie de bureaux, si je ne dis pas de bêtises. Et donc, on aura deux composantes. La composante CVC et la composante USE. La partie CVC, c'est chauffage, ventilation, climatisation. Et on observe que pour un bâtiment à Paris, pour un bâtiment de bureau à Paris, eh bien, on autorise, l'objectif, en fait, c'est de consommer 57 kWh par mètre carré par an. À côté de ça, on va avoir la partie USE qui va être les usages spécifiques, donc les PC, les serveurs... Et tout ce qui peut être lié à ces usages spécifiques pour 50 kWh. Et donc, en faisant la somme de ces deux données, on observe que pour ce site-là, on, on a un objectif de 107 kWh par mètre carré. Par contre, si vous avez des particularités, par exemple pour un nombre d'heures ouvrées différent de ce qui est normé, donc ce qu'on appelle les talons, eh bien, vous avez une toute petite formule en bas qu'on appelle le use modulé. Où on va venir prendre en considération des indicateurs d'intensité d'usage, donc aussi bien temporels que parfois liés à l'activité. Et ici, pour des bureaux, par exemple, on vient parler de l'amplitude annuelle d'heures ouvrées, la surface de plancher par poste de travail, ou encore le taux d'occupation. Et donc, dès lors que vous avez une activité qui sort un petit peu des standards très carrés qui ont été définis par l'ADEME, qu'on appelle les talons, eh bien, il va falloir faire jouer cette formule de modulation pour connaître votre objectif réel pour chacun de vos sites. Donc, c'est un exemple parmi tant d'autres, mais euh, au moins, il est, il est parlant. Euh, également complexe de par euh, sa mise à jour euh, régulière. Euh, donc, comme je vous l'expliquais, aujourd'hui, on attend le, un nouvel arrêté hein, des valeurs absolues. Ce nouvel arrêté a défini une nouvelle méthode de calcul des années de référence. Et donc, par conséquent, on a besoin d'être euh, tenu au courant très régulièrement de ces évolutions de réglementation. Euh, par exemple, il y a encore quelques mois, les bâtiments neufs construits après 2018 n'étaient pas assujettis. À présent, ils le sont. Donc, euh, ce n'est pas parce que la réglementation a été publiée qu'il n'y aura pas des arrêtés modificatifs qui sortent au fur et à mesure. Et donc, il est très important de faire une veille, euh, veille là-dessus. Le dernier retour d'expérience, euh, j'en ai déjà parlé rapidement, c'est par rapport à l'AMO audit énergétique. Nous avons créé un, un, un groupe de travail donc avec le comité de pilotage euh, Vive Citron, mais on a souhaité également faire intervenir des acteurs du projet au sein des entités pour que les audits qui vont être réalisés répondent bien à l'ensemble des besoins, aussi bien de notre côté pour répondre aux décrets tertiaires, mais également leurs besoins plus terrain. Et donc, dans le cadre de, cette, de ce groupe de travail, ça a débouché par euh, eh bien, la réalisation de de plusieurs cahiers des charges euh, qui vont être spécifiques aux différentes problématiques de vivre de par les différentes activités et, euh, et aujourd'hui eh on est en train de délibérer justement pour savoir à qui le, tri le marché va-t-il être attribué pour réaliser donc entre euh, 75 et 150 audits encore ça reste encore à définir pour l'ensemble du parc et d'ailleurs dupliquer les résultats de ces audits en 2023 pour définir le schéma directeur sur les 30 prochaines années pour l'ensemble du parc euh, vif. On allait passer C'est tout bon Parfait. Eh bien, s'il si nous reste une minute, vous avez nos contacts ici si vous avez des questions et que vous devez nous quitter maintenant. Autrement, je vous invite à, à nous retrouver donc, euh, juste dehors au niveau du stand 5. Donc juste derrière, vous allez être accueillis par différentes personnes de, de Citron et également Sylvain ou Pierre-François qui est présent dans la salle également, qui, qui font partie du comité de pilotage de ce projet. Merci à tous Merci. et à tout de suite.